émotion intense en réaction à cet acte ignoble ne se tarira pas, ni ici, à Saint-Étienne-du-Rouvray, ni au-delà. L'église de Jacques Hamel, l'église de notre ville, sont devenues la représentation d'un monde meurtri, seul. Des paroles et des actes de paix au quotidien, dans nos rues, sur nos places, aideront à la sérénité et à la cohésion des familles d'ici et de partout ailleurs, et éclaireront le sens de notre devise républicaine que nos enfants vont devoir s'approprier et respecter. Ce soir, nous honorons le père Jacques Hamel, 85 ans, bientôt 86. En lui, je crois que Saint-Étienne-du-Rouvray honore son père et sa mère. Celui qui était une silhouette, une figure, comme vous me l'avez dit, monsieur le maire, une figure paternelle, un guide. Celui aussi qui savait aimer avec tendresse, comme une mère aime ses enfants. Liberté, égalité, fraternité. Chers amis, soyons vraiment libres. Débarrassons-nous de la vengeance, de la haine, qui fait de nous des esclaves de nos passions et non des hommes libres. Soyons vraiment égaux, rejetons les soifs de pouvoir, ayons comme seule ambition de rendre service aux autres, d'être bienveillants, chacun à notre place, sans rechercher les honneurs.